Le bateau, il lance une procédure de 3 minutes. On fait nos bords ou ce qu'on a à faire. Et à partir de 3 minutes, la course, elle commence. Donc on part sur la première bouée, la deuxième, puis la troisième. Enfin, ça dépend combien il y a de bouées. Et après, on arrive à l'arrivée. Et la course, elle est finie. Moi, dans ma catégorie, on est 4 hits parce que on est séparés en 4 groupes parce que sinon, on serait trop sur la ligne en même temps à partir. Du coup, on court un hit chacun. Après, on commence en quart de finale. Du coup, la moitié part en demi-finale, les autres pas. Et puis après, il y a les finales. Donc comme ça, ça évite d'être trop sur la ligne. Et moi, je suis pas fan parce que c'est un peu technique. Parce qu'à chaque fin de manche, il faut savoir si on est qualifié ou pas pour la partie après ou pas. Moi, j'aime bien ce format. C'est sympa. Je sais pas. On peut tous se tirer la bourre et c'est sympa, on peut faire des longboards avec de la vitesse. Bon là, c'est pas le cas, mais même si on n'est pas très fort en stratégie, comme par exemple sur les circuits avec le foil ou tout ça, bah, on peut quand même se débrouiller, donc c'est sympa. Quand on est sur l'eau, ça vide la tête et c'est le moment où on lâche tout et on profite et on se donne à fond. Et c'est un bon moment, c'est un bon sentiment quand on sort de manche ou de course. Même si on a fait quelque chose qu'on n'est pas très fier, on sait qu'on peut rebondir plus tard et c'est sympa. Le slalom, j'aime beaucoup ça parce que c'est dans les compétitions comme ça, c'est un sport chacun pour soi. Mais sinon, à chaque fois, quand on fait même une régate comme ça, c'est un moment de partage. On navigue tous en même temps, c'est super sympa. Et puis les entraînements aussi, c'est pareil. On rigole, on est tous sur l'eau en même temps. C'est une super ambiance. Donc même si c'est un sport solo, c'est quand même super bien à plusieurs. Même à terre, on a une super entente. On fait même quand il n'y a pas de vent, on fait des jeux de cartes. Enfin, on s'occupe comme on peut, mais on rigole tous. Du coup, c'est génial. Ouais. Bah, on a rencontré une fille qui s'appelle Amy, qui vient d'Occitanie. Après, on rencontre des gens qui viennent de Guadeloupe. Enfin, et après, des fois, ils viennent dans notre club. Enfin, c'est sympa. Bah, il n'y a plus que le vent qui manque et nous, on est prêts.